Reçois de moi le parfum qui te rend. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, 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 je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, Jésus mon roi, oui, dis-lui rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi, encore une fois rien n'est plus beau que ton nom. Alors lui reçoit, oh oui, Père, reçois l'adoration. Dis son micro, reçois. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire.
Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans son esprit, Emmanuel, Emmanuel, tu es présent, Emmanuel, Emmanuel. Exalte-le, exalte-le en ce lieu, exalte-le, 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 exalte-le en ce lieu. Faisons monter vers notre Dieu un parfum de bonne odeur. S'il te restait quelques secondes à vivre, s'il devait revenir à l'instant, à ce moment, dans quelle attitude te trouverais? Je prie qu'il te trouve en train de l'adorer. Encore 30 secondes, une minute, sois comme cette femme qui avait apporté un parfum de bonne odeur à Jésus. Alors que les personnes qui étaient là en présence de Jésus ne savaient pas l'apprécier, elle, dès le début, elle avait le désir de l'honorer. Elle a pris le risque de s'approcher de lui, elle a pris ce parfum d'albâtre dans un vase d'albâtre. Même le vase était d'une grande valeur, le parfum qui était dedans était encore plus précieux. Elle a pris ce parfum, elle l'a renversé, elle l'a embaumé, elle a pris, elle a mis sur les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle a sué les pieds de Jésus. Avec ses larmes, elle a témoigné son amour pour lui. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, s'il ne restait que quelques secondes, s'il ne restait que quelques minutes avant qu'il vienne, adore-le, montre-lui ton amour. Mais il a dit qu'elle a fait cela parce qu'elle a beaucoup aimé. Seigneur, nous t'aimons, alors reçois ce matin, reçois ce midi, ces chants, ces prières, ces clameurs, en signe, Père, que nous t'aimons, en signe que nous t'offrons le meilleur, en signe que nous reconnaissons que tu nous as tout donné. Alors ce midi, nous t'en prions, qualifie-nous. On a parlé de revoir notre statut. Oui, on demande une révision de statut. On ne veut plus être des simples croyants. On veut accéder à la dimension de disciples passés au statut d'épouse de Christ. Celle que toi tu apprécies, celle que toi tu aimes, celle pour qui tu te bats, celle pour qui tu interviens, celle pour qui tu te fasses contre les situations. Ce midi, nous t'en prions. Une église remplie de croyants, mais de disciples. Une église, Seigneur Père, qui te loue d'élèves, mais qui véritablement donne son cœur et tout entier à toi. Alors ce midi, qualifie-nous et fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Sors-nous si dans nos zones de confort. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être entièrement agréable. Un peuple qui marche selon toi, un peuple qui vit selon toi, et un peuple qui obéit pleinement à tes commandements. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Onction de Dieu, fais du bien à ma sœur. Onction de Dieu, fais du bien à mon sœur, à mon frère. Viens glorifier ton Saint-Nom et viens manifester tes grâces, Seigneur. Alors, bien-aimé, il te reste 30 secondes. Pour connecter avec lui. Il te reste 30 secondes pour faire sortir de lui la puissance dont tu as besoin pour être rétabli, pour être restauré, pour être positionné, pour être relevé, pour être guéri. Père, merci, merci.
Fais-nous du bien encore aujourd'hui. Viens glorifier ton Saint-Nom au milieu de l'eau. Père, nous te remercions pour ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli au milieu de nous. À toi la gloire, à toi l'ouange, à toi nos clameurs, à toi nos actions de grâce, à toi nos cris de louange, à toi nos cris de triomphe. Merci Seigneur, tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Ah, nous te remercions Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi. Seigneur, prends le contrôle et la direction de ce culte. Seigneur, merci, fais-nous du bien. Enseigne-nous maintenant par ta parole pour nous amener plus loin dans cette année 2024. Au nom de Jésus, amen, amen. Acclamons notre Dieu. Rendons-lui grâce, rendons-lui gloire. La présence de Dieu n'est pas un acquis, bien-aimé, c'est un privilège que Dieu nous donne. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un bon amen. Alors, est-ce que tu peux saluer de manière chaleureuse ton voisin ou ta voisine? Dis-lui qu'il est bienvenu, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Papa. Alors, puisque tu salues ton voisin, dis-lui, voisin, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu as dit, que tu es concerné par ce sujet. Parce qu'on a fait un sondage, bien-aimé, et vous avez dit que le sujet qui vous concerne, les finances. Et aujourd'hui, on va parler des finances. Mais dis à ton voisin, surtout si c'est la première fois qu'il vient, c'est pas tous les dimanches comme ça. D'habitude, on parle de l'adoration, de l'amour, mais aujourd'hui, on va parler de tes finances. Et quand me dis un mot, amen. Alors acclame Jésus si tu es d'accord pour cette thématique aujourd'hui. Et nous pouvons prendre place. Alors, comme on a dit, nous avons fait un sondage et il y a eu plusieurs sondages. Merci à toutes les personnes qui ont répondu. Et notamment, la thématique est revenue sur laquelle, en fait, la question, c'était quels sont les défis que vous rencontrez. Et notamment, il y avait le défi des finances. Donc aujourd'hui, nous voulons établir des bons fondements pour nos finances. Ça sera la base pour un atelier qu'on va faire ou une veillée particulière qu'on va faire selon ce que Dieu va nous guider. Mais priez pour ça, parce que je cherche une place dans l'agenda pour enseigner sur les finances. J'ai longtemps enseigné les finances à IEBI. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui m'a vu à IEBI, je me dis, ah pasteur, en telle année, j'ai suivi le cours avec toi. J'ai dit, alors, qu'est-ce que ça a donné? Il dit, j'ai tout appliqué. J'étais dans les dettes, je n'ai plus de dettes. J'ai assisté telle chose, j'ai ma maison maintenant. À chaque fois qu'on rend des témoignages comme ça. Donc il faut que je vienne aussi enseigner ici par la grâce de Dieu. Allez, hein? Donc prions véritablement que Dieu nous conduise. Mais ce matin, nous voulons mettre les fondements, les bons fondements. Et le titre du message, c'est bâtir des bons fondements avec Christ pour nos finances. Bâtir des bons fondements avec Christ pour nos finances. Et comme nous avons l'habitude de le faire depuis quelques temps, nous avons donné une illustration qui va nous aider à comprendre le message et à nous préparer à comprendre les principes que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. Et l'illustration qu'on a aujourd'hui, c'est basé sur 2 Rois 4 et ce sera le passage sur lequel on va se baser 2 Rois 4. Donc je vous laisse voir l'illustration. La régie, c'est à vous. Nous avons suffisamment patienté. Femme, réponds-moi. Nous venons réclamer la dette de ton mari. Paie-la, toute la somme. Mon mari est mort. Et je n'ai rien. Que faites-vous? Je vous en prie. Quel âge as-tu? Non. 13 ans. Vous allez travailler dans mes champs. Tous les deux. 3 jours. Si tu ne paies pas toute la dette, je prendrai tes 2 fils. Je reviens bientôt. Vous
Élisée. Bonjour. Ton serviteur, mon mari, est mort. Je sais. Tu sais qu'il craignait Dieu et qu'il était connu parmi les prophètes. Maintenant, ses créanciers, ils veulent venir et prendre mes enfants comme esclaves. Qu'est-ce que tu as ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Je n'ai rien. Qu'est-ce que tu as ? Rien. À part... un peu d'huile. Apporte-la-moi. Va chez tes voisins et emprunte tous les récipients que tu peux. Prends-en autant que tu peux emporter et amène-les ici. Verse l'huile dans les jarres vides. Chaque fois qu'une est remplie, mets-la de côté. Prends tout ce que tu peux porter. Une autre jarre. Vite! Vite, il me faut une autre jarre! Va vendre ton huile et paie tes dettes. Et tes fils et toi vivrez avec ce qui vous restera. Merci. Merci. Thank you.
Amen. Waouh. C'est marrant parce qu'on fait deux cultes, même si on a le même message, mais tu sens que chaque culte a une atmosphère particulière. Et je crois qu'il y a une atmosphère particulière sur ce deuxième culte. Quelqu'un me dit un bon amen à ça. Parce que quand on regarde l'illustration, tu l'as bien compris, la situation est dramatique dès le départ. Les créanciers viennent prendre, leur demander à la dame de rembourser sa dette. Mais elle n'a rien pour rembourser. Et à tel point que ils disent qu'on va en prendre tes enfants, ils vont travailler afin que la dette soit remboursée. Et la femme se sentait démunie, avait l'impression qu'elle n'avait rien. Mais elle est partie auprès de Élisée, symbole de Dieu ou symbole du Saint-Esprit. Elle dit Élisée. Elle n'a pas trouvé. Mais Élisée est venue la voir. Et là, à ce moment, Élisée lui a posé une question. Qu'as-tu à la maison? Elle a dit, je n'ai rien. Elle a dit, qu'as-tu à la maison? Je te pose la question, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi? Elle a dit, j'ai rien si ce n'est un vase d'huile. Élisée a donné une instruction et en obéissant aux instructions de Élisée, elle s'est vue rentrer dans une saison de prospérité. Elle s'est vue rentrer dans une saison d'abondance. Et excusez-moi, je crois que l'apôtre Ivan a déclaré quelque chose sur cette année 2024. Est-ce qu'il a été déclaré que c'est l'année de la disette? Est-ce qu'il a été déclaré que c'est l'année de la confusion? N'est-il pas déclaré que c'est l'année de la moisson abondante, n'est-ce pas? Oh, que l'église de Sergi, que chacun d'entre nous puisse rentrer dans cette saison de moisson abondante dans le nom puissant de Jésus. Tu peux mal commencer cette année, mais la fin de l'année s'écrit gloire. Elle s'écrit sous année abondante dans le nom puissant de Jésus. Elle s'écrit année abondante, de moisson abondante au nom de Jésus. De cette histoire, nous pouvons regarder qu'au départ, c'est dramatique. Parce qu'elle dit à Élisée, tu sais que ton serviteur, mon mari qui te servait avec fidélité, il est mort. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus rien. Parce que, bien aimé, je voudrais te dire que la prière est une bonne chose et il faut prier. La prière dispose des circonstances. La prière amène la faveur sur toi. La prière ouvre les portes et là, tu devrais dire amen. La prière fait que le ciel soit ouvert. La prière fait en sorte que tes ennemis puissent être disposés en ta faveur. Mais bien plus que la prière, bien aimé, tu vas devoir apprendre les principes qui régissent l'abondance. Afin que l'abondance, tu la vives. Tu vas devoir apprendre comment marcher, comment faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour toi, cela s'accomplisse. Et c'est ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui et dans l'atelier que nous aurons. Connaître les principes afin que nous puissions marcher dans cette prospérité dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, nous prions ce soir, nous prions ce midi. Brise toute forme de forteresse qui nous empêche de recevoir la connaissance, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de marcher dans cette nouvelle saison. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Ce bien-aimé, tu dois comprendre première chose. Dieu veut que tu sois prospère. J'ai dit que Dieu veut que tu sois prospère. Oh, au premier culte, ils avaient plus compris. Dieu veut que nous soyons prospères. Bien aimé, la prospérité selon Dieu, ce n'est pas être richissime. Je ne suis pas en train de te dire que tu auras un milliard sur ton compte. Bien sûr, celui qui a la foi, il peut dire amen. Mais je suis en train de te dire tout simplement que, bien aimé, Dieu désire que tu puisses souvenir à tous tes besoins. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. La première chose, c'est que je veux satisfaire à tous mes besoins. Satisfaire à tous mes besoins, c'est avoir de quoi manger, avoir de quoi me vêtir, quelque part où habiter. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour ma famille. Qu'on ne soit pas là juste dans le juste assez, mais qu'on ait suffisamment pour tout ça. Mais encore plus, avoir assez pour payer des bonnes écoles pour mes enfants. Mes enfants iront dans la bonne école. Ils ne diront pas, je ne vais pas faire l'école de médecine parce que papa ne peut pas payer. Non, je veux pouvoir pourvoir à mes besoins, aux besoins de mes enfants. Je veux arriver au stade où mes enfants disent, oh, l'école ça coûte cher, mais ce n'est pas un problème parce que papa pourvoira, papa pourvoira, papa pourvoira ou maman pourvoira. Y a-t-il des femmes de feu ici? Maman pourvoira. Alléluia.
Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous puissiez subvenir à tous vos besoins. Mais il dit aussi, ce n'est pas terminé, pas seulement mes besoins à moi, mais que vous puissiez encore en abondance. Il dit, oh j'aime ça, je n'avais pas vu ça tout à l'heure. Il dit que vous soyez encore en abondance pour faire toute bonne œuvre. C'est-à-dire, j'ai payé mon loyer, j'ai payé la voiture, j'ai payé l'école des enfants, la meilleure école. J'ai payé tout, les vacances pour les enfants, les bonnes vacances pour les enfants. Alléluia, j'ai payé tout ça, mais je suis encore en abondance pour faire toute bonne œuvre. Pour faire toute bonne œuvre. Comme Jésus, acte 10, 38, la Bible nous dit que Dieu l'a loin d'Esprit Saint et de puissance, allant de lieu en lieu, Kinshasa, faisant du bien, orphelinat, allant au Cameroun, faisant du bien aux femmes qui sont maltraitées, allant où on va? Non, Haïti, je vais à Haïti. Haïti, changeant le pays dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Et puis allant à Cergy, construisant la cité royale du 95. La cité royale du 95. Ah, bien-aimé, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que nous puissions pourvoir tous nos besoins et faire toute bonne œuvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire de toi. Ce qu'il veut accomplir pour chacun d'entre nous. Qu'on est assez pour prendre soin de nous. Mais il n'y a pas que nous. Il y a toutes les autres personnes qui ont des besoins. Prendre soin des autres. Payer les loyers. Payer les études. Faire en sorte que les jeunes ne se disent plus qu'on est limité. Non, c'est terminé ça. Père, c'est terminé dans le nom de Jésus. La génération d'après n'auront plus de limites. La génération d'après diront c'est possible avec Dieu. La génération d'après diront je peux rêver. Je peux rêver parce que je sais que c'est possible. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Donc bien-aimé, Dieu désire te rendre prospère. Deuxième point, bien-aimé, comprends que Dieu te désire te rendre prospère. Et quand je dis ça, tout le monde est en train de penser, oh, combien d'argent il me suffirait pour résoudre tous mes problèmes. Quelqu'un est en train de penser à son compte en banque avec plein de zéros avant la virgule, hein, pas après la virgule. Tout le monde est en train de penser à ça. Mais je voudrais te dire une chose. Pour régler tes problèmes d'argent, tu n'as pas besoin seulement d'argent. Ah oui, bien-aimé. Cette dame a eu des problèmes d'argent, c'est pour ça qu'elle est partie voir un créancier et le créancier lui a donné un crédit. Mais on voit que ces problèmes d'argent n'ont pas été résolus. Je vais te faire un sondage simple. Qui a déjà eu des problèmes d'argent? Là, c'est vérité, hein? Qui a déjà eu des problèmes d'argent? Qui a obtenu de l'argent pour régler ses problèmes d'argent? C'est marrant, à chaque fois ça baisse un peu moi. Donc il y a d'autres qui sont déjà des problèmes d'argent. Qui, après avoir eu des problèmes d'argent et obtenu de l'argent pour régler ses problèmes d'argent, a eu à nouveau des problèmes d'argent. Et généralement, on relève la main. Donc, c'est la preuve qu'il ne faut pas seulement de l'argent pour régler les problèmes d'argent. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia! Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions régler les problèmes d'argent? Il faut un shift de mentalité. Il faut une transformation de mentalité. Parce que bien aimé, la richesse, avant tout, c'est une question de mentalité. La richesse, avant tout, ce n'est pas ce que j'ai dans le compte en banque, c'est une question de mentalité. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont des problèmes d'argent, ils ne stressent pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont perdu, ils sont capables de le récupérer. Parce qu'ils ont compris les principes qu'il faut pour faire en sorte que l'argent puisse être attiré, multiplié, augmenté et préservé. Alléluia. C'est-à-dire que je dois demander un shift de mentalité. Proverbe 22, 2 nous dit quelque chose. Beaucoup ne comprennent pas bien ce proverbe. Proverbe 22, 2 nous dit, l'homme et les riches se rencontrent, c'est Dieu qui les a faits. Et quand on lit ce passage, on dit, donc Dieu a fait l'un riche, l'un pauvre. Non, la version Semeur dit ceci, le riche et le pauvre ont une chose en commun, c'est que Dieu les a faits. Ce verset me dit tout simplement qu'une personne s'est présentée, un être humain, c'est Dieu qui l'a fait. Une autre personne s'est présentée, un autre être humain, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce qui rend riche ou pauvre, c'est les choix, les décisions que chacun a fait. Ah oui, bien aimé, c'est les choix, les décisions que chacun a fait dans sa vie. C'est ça qui rend riche ou pauvre. Ce n'est pas Dieu qui rend riche ou pauvre. Et Ecclésiaste nous dit quelque chose d'extrêmement important. Ecclésiaste 9, verset 11, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course, il dit que la course n'est pas remportée par les plus agiles, ni la guerre aux plus vaillants.
ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligences, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La version Semeur dit, tout dépend d'eux, des contretemps et des coups durs imprévus qui atteignent chacun. Mais celui qui arrive à s'en sortir, c'est celui qui sait naviguer entre les coups durs, entre les crises, entre les difficultés, entre les opportunités, parce qu'il sait faire preuve d'un nouvel type de mentalité. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus que l'Esprit de Dieu est avec toi, que l'Esprit de Dieu réside en toi. Il te dira 6 fois la gauche, 6 fois la droite. Il aura le regard sur toi. Il te dira ne va pas faire une entreprise avec telle personne. Il te dira ne t'associe pas avec un tel, mais va voir telle personne, mais va faire telle chose, afin que dans le nom de Jésus, même si on te parle de crise, toi tu navigues au milieu de la crise. Même si on te dit qu'il y a des portes fermées, mais toi tu trouves une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi. Même si tu sembles avoir tout perdu comme cette femme, mais avec l'aide de Dieu, avec les instructions de Dieu, avec l'instruction du Saint-Esprit, que Dieu te fasse rentrer dans cette abondance dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse rentrer dans cette abondance dans le nom de Jésus. Nous devons quitter la mentalité de pauvreté. Le pauvre a du mal à subvenir à ses besoins. Le pauvre a du mal à faire en sorte qu'il paye ses dettes, etc. Mais au départ, il n'avait pas de dettes. Au départ, il n'avait pas tous ces problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on lui a donné l'argent, il n'a pas eu la sagesse, l'intelligence, l'habilité, la capacité de pouvoir gérer comme il faut cet argent. Au lieu de prendre l'argent, il prend une partie pour l'épargner, une partie pour donner à Dieu, une partie pour investir. Il a payé Gucci, il a payé Louis Vuitton, il a payé grosse voiture, il a payé grosse maison, il a payé des choses qui ne se sont pas encore à son niveau. Dis à ton voisin, attends les choses, prends les choses à ton niveau. Tu rêves d'une grosse BM, mais aujourd'hui c'est bon pour toi, la Toyota Ego. Je n'ai rien contre Toyota, mais c'est juste question de niveau. Dis, le prochain niveau arrive. Mais le prochain niveau pour toi, ce n'est pas la voiture. Le prochain niveau pour toi, c'est des âmes qui rendent grâce à Dieu pour ta vie. Ce sont des personnes qui disent merci pour mon frère, merci pour telle sœur. Tu l'as suscité dans cette génération afin que nous puissions voir quelqu'un qui se lève, qui n'a pas besoin de s'habiller chic, 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 qui n'a pas besoin de faire du bling, 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 mais qui a choisi de faire du bien. Alléluia. Amen. Tout est une question de mentalité. Le riche, ce n'est pas celui qui a de l'argent. Le riche est celui qui comprend et qui saisit que par la grâce de Dieu, tout est possible avec lui. Le riche est celui qui apprend les principes qui concernent l'argent. Le riche est celui qui fait confiance à Dieu pour progresser et pour aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, troisième point, bien-aimé, tu as besoin de la sagesse divine. Pour prospérer, tu as besoin de la sagesse divine. Quand j'ai dit tout à l'heure, si beaucoup nous disaient, je te laisse le choix entre une somme de 1 million d'euros et la sagesse et l'intelligence, qu'est-ce que tu choisirais? Oui, je sais, tu me dis la sagesse parce qu'on est à l'église, mais avoue que quand tu es en face de la feuille d'impôt, quand tu es en face de la facture, quand la voiture est en panne, quand les créanciers viennent frapper à la porte, tu diras pas la sagesse, avoue-le, tu diras le million d'euros. Vous dire la vérité. Mais la Bible nous dit, Proverbe 16, verset 16, que combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Ce qui m'a choqué, j'ai regardé les reportages sur les gens qui ont gagné au loto. Les gens ont gagné 3 millions d'euros, 6 millions d'euros, 10 millions d'euros. Il y a des gens qui gagnent 50 millions d'euros. C'est-à-dire les gens, du jour au lendemain, leur vie a changé. Leur vie a changé. Complètement changé. Littéralement, radicalement changé. Mais tu as des gens, peut-être qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils avaient peut-être des dettes de 3 000, 4 000 euros. Les mêmes personnes gagnent au loto 3 années après, 4 années après, 5 années après. Des fois, ils se retrouvent endettés de la somme qu'ils ont gagnée. Tu as gagné 3 millions d'euros, tu te retrouves endetté de 3 millions d'euros. Mais comment tu fais?
question de mentalité, question de sagesse, question d'intelligence, question d'habilité. C'est pour ça que Salomon a été très sage. On lui dit, Salomon, c'est toi qui vas devenir le roi. Ton voisin, il aura fait un live sur Facebook, un live sur Instagram. Il dit, hey, je deviens roi. Salomon est parti auprès de Dieu. Il a dit, Seigneur, cette affaire, c'est compliqué. Je vais commencer par rendre grâce à Dieu en offrant 1000 holocaustes. Avant de faire la fête, viens rendre grâce à Dieu. Quand il y a promotion, viens d'abord rendre grâce à Dieu avant de faire la fête. Viens d'abord rendre grâce à Dieu. Alléluia. Salomon vient rendre grâce à Dieu parce qu'il sait que ce n'est pas petite affaire. Et il prend 1000 holocaustes, 1000 bêtes qu'il tue lui-même. Le temps, l'énergie que ça a dû prendre. Et aussi la somme d'argent que c'était. Ce n'était pas petit. Mais il faisait pourquoi? Parce qu'il savait que là, dans cette dimension nouvelle, dans cette saison nouvelle, ce n'est pas avec mes propres forces, ce n'est pas avec mon intelligence. Il faut que Dieu soit avec moi. Il faut que Dieu soit avec nous. Alléluia. Et ayant fait cela, maintenant Dieu lui-même vient voir Salomon dans son songe. Oh Seigneur, que ce mois de mars, que tu puisses venir rencontrer quelqu'un dans son songe. Que tu puisses venir rencontrer quelqu'un dans son songe. Et Dieu dit à Salomon, donc ça c'est 1 Chronique 1 verset 10 à 12. Dieu dit à Salomon, dis-moi ce que tu veux. Tellement Dieu a été touché par l'offrande de Salomon, par le sacrifice de Salomon. Oh, je vois quelqu'un faire un sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Je vois quelqu'un poser un acte qui touche le cœur de Dieu. Dieu lui dit, qu'est-ce que toi tu veux? Et Salomon dit ceci. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension. C'est la capacité, lorsque tu entends quelque chose, de comprendre la chose. Et la sagesse, c'est savoir quoi appliquer dans telle situation. Il dit la sagesse et de l'intelligence. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et Dieu dit à Salomon, Dieu dit aux gens de Sergi, Dieu dit à ta voisine, Dieu dit à ton voisin, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, afin de faire mes œuvres. Il dit, sur lequel je t'ai fait régner. Il dit, verset 12, la sagesse et l'intelligence. J'ai dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. La sagesse et l'intelligence te sont accordées dans le nom de Jésus. Et il rajoute pour toi, je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus, des richesses au nom de Jésus, des biens au nom de Jésus et de la gloire au nom de Jésus. Il avait dit à Salomon, comme on n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Et moi je te dis, comme jamais quelqu'un de ta famille n'a eu ça, toi tu auras dans le nom puissant de Jésus. Mais après toi, d'autres vont avoir plus que toi, parce qu'ils partiront à partir de tes victoires dans le nom de Jésus. Nos enfants auront plus que nous, nos enfants iront plus loin que nous, notre postérité ira plus loin que nous dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il nous accorde la sagesse ce matin. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Dieu a parlé à Salomon. Dieu a donné une grâce à Salomon. Et vous savez, une chose qui est importante dans la vie, c'est la grâce. La grâce, c'est cette capacité dont tu as besoin. Et la grâce, bien aimé, c'est une capacité, un manteau, une force qui accompagne une personne. Et nous sommes tellement bon endroit parce qu'il y a une grâce, une force qui accompagne notre famille spirituelle. Notre famille spirituelle, dans les endroits où on dit que c'est compliqué de faire l'évangile, nous triomphons, nous continuons à grandir. Dans les endroits qui sont dits hostiles, nous continuons à évoluer et à progresser. Là où les gens disaient que c'était le cimetière des églises, l'église, un passant chrétien,
est en train d'avancer. Alors Père, ce matin, nous recevons la même grâce qui est sur nos pères, la même grâce qui est sur eux, vient sur nous dans le nom puissant de Jésus. Père, la grâce, Seigneur, de ne jamais abandonner, de toujours se battre, de toujours être déterminé. La même grâce vient sur nous dans le nom de Jésus. La grâce, Seigneur, de triompher en milieu hostile, elle vient sur nous dans le nom de Jésus. Mais la grâce aussi de produire des édifices comme la cité de gloire, comme la cité royale, comme tous ces bâtiments, Père, cette grâce nous est communiquée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as reçu la grâce. Bien-aimé, j'ai dit, tu as reçu la grâce. Cours avec cette grâce. Avance avec cette grâce. Programme cette année en fonction de cette grâce. Et travaille avec la grâce. Travaille pourquoi, bien-aimé? Salomon n'a pas que reçu la grâce. Salomon a travaillé. Et tu lis dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 16, Ecclésiaste 8, verset 16, où il dit qu'il a appliqué son cœur à la sagesse, à connaître la sagesse. Et il a pris le temps d'examiner, de réfléchir, de sonder, afin de comprendre les choses. Salomon n'est pas resté les bras croisés, Salomon a travaillé. Salomon a pris le temps d'avancer, de progresser. Et toi, tu as le meilleur de coach avec toi. Tu as le meilleur des professeurs avec toi. C'est un coach, il est tellement extraordinaire. Tu es capable, bien-aimé, tu ne connais rien en informatique. Une après-midi avec lui, le vendredi, tu étais toto. Mais le lundi, tu es héros. C'est toi qui enseignes maintenant au professeur. C'est toi qui enseignes aux autres, c'est ça qu'il faut faire, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu l'a fait pour moi. Que Dieu le fasse pour toi, dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi. Alléluia. Tu as le meilleur des professeurs avec toi. Qui sait te rappeler toutes choses, qui sait te montrer les choses que tu ne connais pas, qui sait te faire comprendre les choses que les autres ne voient pas, et qui sait même t'annoncer les choses à venir. Cet esprit, c'est un esprit, mais c'est plutôt une personne qui vient résider en toi. Il est arrivé en toi à quel moment? Le jour où tu as dit, oui Seigneur, prends tout. Le jour que tu as dit cela, il est venu habiter en toi. Il t'a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et tu commences maintenant à avoir le désir de Dieu. Tu commences maintenant à marcher avec le Seigneur. Mais je voudrais te dire, va plus loin aujourd'hui. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Et tu verras que la sagesse de Dieu est en toi. Tu verras en toi, il y a les trésors de la connaissance en toi. Oh bien-aimé, cette personne ne sait qui. Cette personne ne sait qui. Cette personne c'est qui? J'entends pas. Cette personne c'est qui? C'est qui? C'est qui? Plus fort! Parce que quand tu annonces son nom, il se manifeste. Quand tu annonces son nom, il vient glorifier le nom de Jésus. Quand tu annonces son nom, il vient montrer les œuvres de Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu la sagesse de Dieu en nous. Alors à partir de ce jour, ne sois pas inquiet. Sois calme. Viens dire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment je fais avec mes enfants? Comment je fais pour ce projet? Comment je fais pour telle ou telle chose? Saint-Esprit, tu es la sagesse divine. Conduis-nous, inspire-nous, guide-nous dans tout ce que nous avons à faire. Je te fais confiance, Seigneur. La confusion n'est pas mon partage. L'année 2024 n'est pas née de la confusion. Je ne serai pas confondu. L'Église ne sera pas confondue. Tout ce que nous commençons avec toi, nous l'amenons jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. Et la sagesse se trouvait en Dieu, par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il nous faut un shift dans la mentalité. Et la sagesse n'arrive pas à nous conduire parce qu'il y a trop de faux raisonnements qu'on a en nous. Il y a trop de pensées erronées qu'on a en nous. Il y a des pensées qui disent « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit ça? Une personne qui a dit non. Dans tout le reste, on croit que la Bible dit ça. Répondez. Est-ce que la Bible dit ça? Qu'est-ce que la Bible dit? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. Il dit, quelques-uns, en étant possédés de cet amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit ici, tu ne dois pas
aimer l'argent. Non, bien-aimé, l'argent n'est qu'un instrument neutre et il prend le caractère de la personne qui le possède. L'argent entre les mains d'un bandit devient l'argent qu'il va utiliser à faire des méchancetés. Mais l'argent entre les mains de ton frère, ou plutôt les mains de ce frère plutôt par là, entre les mains de ta sœur, cet argent peut faire beaucoup de bien. Cet argent peut amener des gens à aller à l'hôpital. Cet argent peut amener des gens à habiter dans les maisons. Cet argent peut payer des loyers, bien-aimé. L'argent est un instrument neutre, bien-aimé, mais n'est pas l'amour de l'argent. Non, l'argent, on l'utilise pour faire du bien. Deuxième pensée erronée, certains se disent, Jésus était pauvre, donc moi aussi je dois l'imiter. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur pour tous les films chrétiens, mais ôtons de nous l'image de Jésus comme un hippie avec des sandales, en train de marcher ses 12 apôtres, en train on dirait qu'ils sont en train de errer. Non, c'est pas ça. Jésus n'était pas pauvre. Amen. Jésus n'était pas pauvre. Jésus savait subvenir à tous ses besoins. Au départ, il était charpentier, il subvenait à ses besoins. Et quand il est rentré dans le ministère, tantôt, c'était de manière miraculeuse que Dieu pourvoyait à ses besoins. Un jour, ils avaient besoin de payer les impôts. Et Jésus est venu près d'une rivière ou d'un fleuve. Et un poisson est venu. Et il a ouvert la bouche du poisson et il y avait une pièce de monnaie. Ça, c'est la dimension qu'a annoncé l'apôtre Ivan, où la création scanne ton visage et reconnaît le visage de Christ. Donc la faveur, la grâce viennent vers toi. Les opportunités viennent vers toi. 2024, tu manifestes Christ et tu attires les opportunités à toi. Tu attires les opportunités à toi. Parce que tu as le visage de Christ, mais après tu as autre chose qu'on va parler tout à l'heure. Tu as la fidélité avec toi. On en parlera tout à l'heure. Donc de manière miraculeuse, on voit que Christ pourvoyait à ses besoins. Ça, c'est les dimensions où, bien-aimé, tu as un besoin, tu ne sais pas ce qui se passe. Tout d'un coup, il y a un frère qui vient, toc, 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 toc. Hello, poteau, comment ça va? Oui, je vais bien. Oh, tu as l'air un peu inquiet. Wesh, c'est un peu compliqué. Le Seigneur m'a dit de te donner telle offrande. Ah ouais, Dieu a pourvu à tes besoins. Ou tu rentres dans ton compte, transfert. Ça vient de qui? On ne sait pas ça vient de qui, mais c'est arrivé. Ça, c'est de manière miraculeuse. Ma femme a compris. Oh, on reçoit un transfert ce mois-ci. On reçoit un transfert ce mois-ci au nom de Jésus. Ça, c'est de manière miraculeuse. Mais aussi de manière naturelle. Jésus aussi opérait dans le domaine du naturel. Et comment il opérait dans le domaine du naturel? Les gens donnaient des offrandes à Jésus. Les gens semaient dans l'œuvre de Jésus. Et Jésus avait un trésorier dans la personne de Judas. Bon, on sait qu'il volait, mais il restait quand même un peu. Donc, quand il y avait besoin, quand on dit, par exemple, Jésus, ils prennent la barque et ils traversent la mer. Vous croyez que les gens donnaient gratuitement? Non, Jésus payait, il payait et il traversait. C'est comme si on allait faire l'évangile, si on allait annoncer l'évangile partout. Il faut des finances, il faut des moyens financiers. Donc Jésus utilisait aussi les moyens naturels pour financer ses campagnes d'évangélisation. Amen. Le surnaturel et le naturel, c'est-à-dire la bonne gestion. Budget. Dites au voisin budget. Alléluia. Budget, un vrai budget, pas le calcul mental. Vous savez, le calcul mental, c'est quoi? J'ai reçu 1000 euros. Je vais regardez sur le truc. Oh cool, j'ai 1000 euros. Oh les chaussures. Je prends. Je paye avec la carte. 100 euros. Je retourne voir le compte. Il y a 1000 euros encore. Oh, je dépense encore. 200 euros. Je regarde voir le compte. Il y a encore 1000 euros. Frère, ça va venir. Ça va revenir. D'être au voisin, budget. Budget, sagesse et intelligence. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Et qu'un me dise un bon amen. Jésus n'était pas pauvre. Il utilisait le naturel et il utilisait le surnaturel. Et il y a d'autres passages qui nous montrent que non, Jésus n'était pas pauvre. Lorsque les soldats romains l'ont fouetté et ils ont pris ses vêtements,
les gars n'ont pas déchiré les vêtements. Ils ont tiré au sort le vêtement ou ils se sont répartis les vêtements. C'est la preuve que non. C'est-à-dire que ceux qu'il avaient de la valeur. Le point, je ne suis pas en train de te dire que tu dois désirer t'habiller n'importe comment, faire de bimbi. Mais le point, c'est de comprendre que Jésus n'était pas pauvre. Il était prospère. Il subvenait à tous ses besoins. Je ne pense pas qu'il était dans du style à mettre des grosses marques, mais quelque chose de propre, quelque chose de bien, par la grâce de Dieu. Amen. Mais le point, ôte sont ces pensées erronées que Jésus était pauvre. Dieu désire que tu sois prospère, que tu fasses du bien et que tu subviennes à tous tes besoins. Et maintenant, je vais te donner 8 vérités à comprendre sur les finances. 8 vérités qui doivent être 8 fondements pour ta gestion des finances. La première vérité, bien-aimé, note-le, tout appartient à Dieu. J'ai bien dit, tout appartient à Dieu. Et tu peux y rajouter, y compris mon argent. Et tu soulignes bien mon argent. Alléluia. C'est-à-dire, tout appartient à Dieu, y compris notre argent. La Bible nous dit, psaume 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. Deutéronome 10, verset 10, 14, voici l'Éternel ton Dieu, voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Agé 2, 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Deutéronome 8, 17 à 18, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tout appartient à Dieu, y compris mon argent. Amen. C'est le premier principe. Deuxième principe que tu dois noter. Deuxième principe. Je ne suis pas propriétaire, mais je suis gestionnaire des biens que Dieu me confie. Amen. C'est-à-dire que Dieu m'a confié la gestion. Job 1, verset 21 dit ceci, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce verset nous dit quoi? Est-ce que je vais emmener au ciel les grosses voitures, la grosse maison, le gros compte en banque, mes fiches de paye? Non, bien-aimé. Tout ça là, c'est que des choses que Dieu donne afin que nous puissions les gérer correctement pour faire du bien aux personnes. Il dit dans un autre passage de 2 Corinthiens, il dit... De 1 Corinthiens 4, verset 2, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est-à-dire des intendants ou des gestionnaires, que chacun soit trouvé fidèle. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois trouvé fidèle. Et fidèle, bien-aimé, c'est savoir prendre soin de ce que Dieu nous confie. Est-ce que je me suis? Alléluia. C'est prendre soin de ce que Dieu me confie. Troisième vérité qu'il faut retenir. Dieu a lui-même défini les règles de gestion financière que je suis supposé appliquer ou suivre avec fidélité. C'est lui-même qui a établi. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui a établi. Et il le dit en Deutéronome, qu'on a lu tout à l'heure, Deutéronome 28, pardon, versets 1 et 2, il dit, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, dis avec moi, tous ses commandements. Alléluia. Il dit que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Une des lois, c'est la loi de la semence pour pouvoir récolter. Tu ne peux pas récolter, tu n'as jamais semé. C'est-à-dire que bien aimé, tu dois te séparer de quelque chose pour obtenir quelque chose. Ça fait partie des lois divines. Alléluia. Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui a établi les règles de bonne gestion
financière. On les verra lorsqu'on fera l'atelier ou qu'on fera le temps de veille. On verra comment Dieu va nous conduire. Quatrième principe. Quatrième principe est le suivant. Dieu a un regard permanent sur la manière dont je gère les choses. Il y a un passage qui parfois peut être choquant, mais ça nous montre aussi que Dieu est attentif à ce qu'on fait. C'est Marc 12, verset 41. La Bible nous dit que Jésus se présenta auprès du tronc. Le tronc, c'est l'endroit où il mettait les offrandes. C'est comme si le pasteur Mateta que je suis, et alors qu'on donne les offrandes, donc je suis là en train de regarder, tout le monde est en train de mettre les offrandes pour vérifier, etc. C'est pas que Jésus voulait inspecter, mais Jésus voulait nous montrer un principe. Dieu est attentif, Dieu a un regard permanent sur ta manière de gérer les ressources qu'il te donne. Alléluia. En Luc 16, il dit même, il donne une parabole où il dit que un homme riche avait confié ses biens à un dispensateur ou un gestionnaire, et il a dit ceci, donc Luc 16, verset 1 et 2, il dit: un homme riche avait un économe, c'est-à-dire celui qui gère, et qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration et tu ne pourras pas administrer mes biens. Il dit ici: tu dois rendre compte. Et nous rendrons compte de ce que nous faisons, du salaire qu'on reçoit, des offrandes qu'on reçoit, des cadeaux qu'on reçoit, des opportunités qu'on reçoit, des primes qu'on reçoit, des aides qu'on reçoit. On rendra compte. Il faut que nous puissions comprendre que Dieu a un regard permanent. Alors, le cinquième principe qui est lié avec cela, donc Luc 16, on a dit que l'administrateur l'a dit: rends compte de ton administration, j'entends que tu dilapides, j'entends que tu ne gères pas bien. Donc le cinquième principe, c'est ceci, bien aimé: si je suis un mauvais gestionnaire, un mauvais gérant, alors je serai sanctionné à coup sûr. Je serai sanctionné à coup sûr. Malachie 3, 8 et 9 nous dit encore: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Il dit: dans les dîmes, les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dans ce verset, on y reviendra dessus, mais il disait simplement que là, à l'époque, le peuple de Malachie, il devait donner des dîmes et offrandes à Dieu, mais il ne négligeait Dieu. Et Dieu leur avait recommandé de lui donner une partie des biens entre les dîmes et les offrandes. Et eux, à l'époque, ce n'était pas des salaires. On donnait une bête en termes d'offrande. Mais eux, ce qu'ils faisaient, ils prenaient des bêtes chétives. C'est-à-dire, ils prenaient des bêtes en plus mauvais état et ils donnaient ça à Dieu. Imagine-toi, vous connaissez la vache folle, non? La maladie de la vache folle. Donc, ils tremblent. Donc, ils disaient: Seigneur, tiens, prends ça. Non, bien-aimé, tu dois donner le meilleur à Dieu. Tu dois donner le meilleur à Dieu. Et Dieu a dit: non, ça, c'est pas bon. Donc, si je suis un mauvais gestionnaire, bien-aimé, je serai sanctionné à coup sûr. Mais l'inverse est vrai aussi. Si je suis un bon gestionnaire, je serai quoi? Récompensé. Matthieu 25, la parabole des talents. Un homme riche a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Le talent, c'est une somme d'argent. Donc celui qui a reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, il a pris ça, il a commencé à investir, il a commencé à travailler et il a pu voir que ça marchait et il a présenté 5 talents de plus. Et Dieu a dit: bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Que Dieu dise la même chose de toi, que Dieu dise la même chose de toi. Alors en conséquence, il a dit: tu recevras le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Il a été récompensé pour sa bonne gestion. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons ici n'est qu'un test qui nous prépare pour l'éternité. La manière dont tu vas gérer va déterminer ce que tu seras dans l'éternité. Et ensuite, pour terminer, deux autres principes. Le sixième, c'était: si je suis un bon gestionnaire, je serai récompensé à coup sûr. Le septième, c'est: Dieu finit toujours par réduire ou limiter les attributions des mauvais gérants et intendants. Toujours Matthieu 25, celui qui avait reçu un talent. Rappelle-toi, un talent, c'est une somme d'argent, ça correspondait à peu près à une année de salaire. Donc, il n'avait pas reçu petit, mais il a caché le talent. Il ne l'a pas fait fructifier. Et quand le maître est arrivé, le maître lui a dit, tu es un méchant serviteur. Tu aurais dû prendre cet argent et le faire fructifier. Mais il avait peur.
Il pensait que le maître était méchant. De le faire fructifier, il n'a rien fait. Et donc du coup, on lui a pris ce qui était à lui, on l'a donné à celui qui a fait fructifier. Donc ce que lui était pour lui, ben, on l'a restreint. Donc si tu es un mauvais gestionnaire, on finit par réduire, on finit par diminuer tes attributions. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu es un bon gestionnaire, Dieu finit toujours par augmenter les attributions des bons gérants et des bons intendants. Comme j'ai dit, n'a pas parlé des talents. Celui qui a eu 5 talents, il a bien géré. On lui a donné plus. Celui qui a eu 2 talents, il a bien géré. On lui a donné plus. Mais celui qui avait eu 1, on lui a retiré. Et je crois que dans cette saison, que Dieu nous parle aussi. Si par la grâce de Dieu, Dieu nous donne maintenant de prendre un bâtiment plus grand, c'est qu'on a été sage pour gérer comme il faut ce bâtiment pendant près de 10 ans. Amen. Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire que bien aimé, Dieu nous a qualifiés à une nouvelle bénédiction, une bénédiction beaucoup plus grande. Amen. Et je me rappelle, je priais beaucoup pour ça. Je dis, Seigneur, qualifie-nous pour cette nouvelle saison. Si ça tardait, peut-être qu'on n'était pas qualifié. Mais maintenant, il nous qualifie à une bénédiction plus grande. Mais bien aimé, Dieu ne s'arrête pas là. Amen. Ça, c'est que le début du commencement. On doit montrer maintenant notre fidélité pour prendre soin du bâtiment qu'il nous a donné. On doit donner le meilleur. Et on en reparlera dans quelques semaines. On va vous expliquer un peu le projet. Il faut qu'on donne le meilleur. Parce que ce qu'on va faire va nous qualifier pour une nouvelle saison. Une saison encore plus grande. Une saison explosive. Une saison extraordinaire. Parce qu'on va se montrer fidèle par la grâce de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, pour terminer, je vais résumer les 8 vérités. Les 8 vérités, la première vérité, c'est que tout appartient à Dieu, y compris mon argent. Deuxième vérité, je ne suis pas propriétaire, mais je suis gestionnaire de tout ce que Dieu me confie. Troisième vérité, Dieu a défini lui-même les règles de gestion financière que je suis supposé suivre ou appliquer avec fidélité. Dis à ton voisin avec fidélité. Alléluia. Quatrième principe, Dieu a le regard permanent sur la façon dont je gère ou j'utilise mes finances. Dieu observe ce que je fais. Cinquième principe, si je suis un mauvais gestionnaire ou un mauvais intendant, alors je serai sanctionné à coup sûr. Sixième principe, si je suis un bon gestionnaire ou un bon intendant, je serai récompensé à coup sûr. Septième principe, Dieu finit toujours par réduire ou limiter les attributions des mauvais gérants ou intendants. Huitième principe, Dieu finit toujours par augmenter les attributions des bons gérants ou des bons intendants. Alors, bien-aimés, à partir de ce jour, décide de marcher dans la fidélité avec Dieu. Ce que tu as aujourd'hui, gère-le bien. Prends-en soin véritablement. Alléluia. Tu as une seule chaussure, prends-en soin. Qu'elle soit toujours cirée, prends-en soin. Ne maudis pas ta chaussure. Bénis Dieu pour la chaussure que tu as, par la grâce de Dieu. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné par la grâce de Dieu de prendre soin d'une personne. Bien-aimé, prenons soin des personnes que Dieu nous donne. Prenons soin d'eux. Soyons comme David qui va se battre pour chaque personne. S'il vous plaît, quand vous voyez que votre frère n'est pas venu à l'église, arrêtez de dire non, ce n'est pas mon problème. Appelle, call, prends WhatsApp, envoie un message. Dis, je ne t'ai pas vu, où tu es. S'il le faut, va chez lui. S'il le faut, donne-lui rendez-vous. Paie-lui un café. Bien-aimé, une vie vaut le prix d'un café ou d'un bon restaurant. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on te donne, bien-aimé, prends-en soin. Quelle que soit la tâche qu'on te donne, donne le meilleur pour la tâche que tu as. Alléluia, pour tes offrandes, pour tes dîmes, pour ton salaire, prends soin de ton salaire, va chercher dans la parole les principes, écoute ce qu'on te dit, ce qu'on t'enseigne, mets en application et tu verras que Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Prends soin de tout ce que Dieu te confie aujourd'hui, bats-toi pour chaque chose afin que cela soit conservé dans le nom de Jésus. Par rapport à ta vie spirituelle, bien-aimé, sois un bon gestionnaire. Tu pries 5 minutes, gloire à Dieu. Vas-y, continue, persévère dans ces 5 minutes-là. Maintenant, augmente, rajoute, fais 10 minutes. Persévère, rajoute, fais 30 minutes. Fais 1 heure, monte maintenant à 3 heures. Monte à 6 heures. Oui, bien-aimé, c'est possible de prier 6 heures dans la journée. C'est possible. Tu vas le faire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
pour la lecture de la parole, bien-aimé, sois fidèle. 15 minutes par jour suffit à lire une bonne partie de la Bible à la fin de l'année. Sois fidèle le lundi, sois fidèle le mardi, sois fidèle quand tu n'as même pas envie, sois fidèle quand ton âme ne veut pas, sois fidèle quand tu dis bof, non, sois fidèle et tu verras au bout d'un moment, à la fin de l'année, quand le diable viendra, c'est plus... Ah, au fait, c'est quoi écrit dans la parole? Non, tu sauras, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sera en sorte de la bouche de Dieu. Il est écrit que dans cette saison, oh oui, dans cette saison, il a été annoncé, prononcé, proclamé, une moisson abondante se manifeste dans notre vie parce que Psaume 89 nous dit, j'ai trouvé, Sergi, des hommes et des femmes selon mon cœur, ma main le soutiendra, mon bras sera avec lui. Il dit, le méchant ne le surprendra pas, oh oui, bien-aimé. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur, que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Sois fidèle à cela. Sois fidèle au nom de Jésus. Sois fidèle à tes engagements. Je parle aussi pour moi-même. Sois fidèle à tes engagements, bien-aimé, afin que Dieu puisse voir que ta parole n'est pas rien, que Dieu puisse voir que tu es fidèle à ta parole. Alors je proclame dans le nom de Jésus, alors que tu apprends la fidélité à ta parole. Quand toi tu parles, quand toi tu parles, les circonstances t'obéissent, les maladies dégarpissent, les démons tremblent parce que tu as appris à être fidèle à ta parole, à ne pas renier ta parole dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur, que 2024 soit une année particulière. Ah, bien-aimé, vous savez, là j'ai qu'une seule envie, là. C'est simplement demander la grâce d'être trouvé fidèle. J'ai seulement envie de ça. Est-ce qu'on peut élever la voix et demander cette grâce à Dieu? Peut-être qu'il faut peut-être demander pardon pour certains. Ah Seigneur, tu m'avais confié cette âme, mais je n'ai pas fait ce qu'il faut. Tu m'avais confié, Seigneur, cette famille, mais je n'ai pas agi comme il faut. Tu m'avais amené vers moi des personnes, Seigneur, mais je n'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai promis des choses, mais je n'ai pas fait. Seigneur, je me repens. Et je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce, Seigneur. Pour que nous puissions, Seigneur, nous tous être trouvés fidèles. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Car nos enfants nous regardent. Tu dis que la génération, la création attend. Littéralement, la création lève la tête et regarde et observe au loin. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens, Seigneur, qui sont trouvés fidèles? Qui, Seigneur, ont décidé de prendre soin de tout ce que tu nous donnes? Alors, Père, nous te demandons ce matin, fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce matin. On ne veut plus être un peuple hypocrite qui t'adore des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de toi, qui prétend être des adorateurs, mais qui n'ont pas compris que l'adoration c'est un sacrifice. L'adoration c'est une vie qui se livre à toi. Alors Père, je t'en prie ce matin, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alors Père, que je réalise, tu me demandes d'être fidèle. Je réalise aussi, Seigneur, que ce que j'ai négligé, Seigneur, c'était le test par lequel tu nous faisais passer. J'ai négligé la petite voiture que tu m'as donnée. J'ai négligé, Seigneur, les petites choses qui étaient autour de moi. Mais je réalise aujourd'hui que c'était le test, Seigneur, par lequel tu nous faisais passer. Alors nous choisissons d'être un peuple d'être reconnaissant pour ce qui est là aujourd'hui. Un peuple qui est reconnaissant par rapport à ce que tu as déjà donné aujourd'hui. Mais qui prend soin, qui garde, qui entoure, qui protège et qui sait, Seigneur, que tu donneras plus demain. Mais on ne le fait pas pour le plus, on le fait parce que tout t'appartient. Tout est à toi. Tout est à toi. Je te donne tout de moi. Tout est à toi, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Tout est à toi. Père, ce que nous sommes, Seigneur, ce que nous avons,
ce que nous possédons, ce que tu nous confies, nos familles, notre postérité, nos enfants, notre influence, toutes ces choses, Seigneur, doivent te servir. Alors plus que jamais, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma force, Père, je te donne tout de moi, de toute ma force, de toute mon âme, à toi, Seigneur. Oh, je te donne tout de moi. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Que cette vie te glorifie, que cette vie soit pour toi, que cette vie te plaise, je me livre à toi, mais je te donne tout, je me confie en toi. Je te confie, je te redonne à toi ce que tu m'as donné. Aucun homme peut dire que tout ce qu'il a, il peut pas, aucun homme ne peut se vanter, car tout vient de toi. Je me livre à toi, à toi. Oui, je te donne tout, je te donne tout. Oh, à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout, ma vie, mes pensées, tout ce que j'ai est à toi. Tu m'as donné la grâce d'être un gestionnaire, mais Père, tout est à toi. Donne tout de moi. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Oh, je te donne tout de moi, je me livre à toi, Seigneur. La Bible dit, Romains 12, verset 1, le sacrifice, le culte qu'il agrée, c'est lorsqu'on se livre à lui. Le culte qu'il approuve, c'est quand on se livre à lui. Et le culte, ce n'est pas le dimanche, c'est tous les jours de notre vie. Tous les jours, venez devant lui, lui dire encore, Seigneur, ma vie est à toi. Toujours venez devant lui dire que ce que je suis est à toi. Ce que je possède est à toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être un instrument puissant entre tes mains. La manifestation de Christ, c'est ça aussi. C'est démontrer la capacité de prendre soin. La capacité de chérir, Seigneur, de développer tout ce que toi tu nous as donné. Alors accorde-nous la grâce d'être cette église, d'être ce peuple qui, Seigneur, vit pour toi, qui travaille avec toi et qui obéit pleinement à tes commandements et à tes principes. Alors que nous sommes dans cette attitude de repentance, cette attitude de contemplation vis-à-vis du Seigneur, je voudrais inviter quelqu'un ce matin à faire ce pas vers lui. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as tenté beaucoup de choses. Tu t'es battu pour beaucoup de choses dans ce monde, mais peu de résultats. La Bible nous dit que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Et ce matin, il veut te donner de l'abondance, de l'étirement. Il veut te propulser. Il veut te relever. Et pour ça, c'est simple. Il faut l'inviter dans ta vie. Il suffit de croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Alors, si c'est ton cas, et on va répéter avec toi, on va t'encourager afin que tu puisses faire cette prière avec nous. Et nous allons prier tous ensemble en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je choisis de te donner toute ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de ce jour, tu me transformes, tu fais de moi une nouvelle créature. Je suis maintenant enfant de Dieu. Fais-moi grandir pour devenir un disciple accompli
et mature. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Dieu qui nous a fait du bien. Merci Seigneur. Toi qui inspires toutes choses pour ta seule grâce. Audio Jungle.